au cœur du Bénin et du monde. TIC scolaire comme méthode personnalisée de suivi scolaire parental, l'assurance du succès scolaire, c'est le thème du forum débat organisé par l'ONG Bradley Education and Health ce vendredi à Cotonou. TIC scolaire comme méthode personnalisée de suivi scolaire parental, l'assurance du succès scolaire, c'est le thème du forum débat organisé par l'ONG Bradley Education and Health. Hier à Cotonou, il s'agit pour la structure de présenter le concept TIC scolaire en cours depuis 3 ans au Bénin afin de pallier le manque de suivi scolaire. Voici le reportage. C'est une révolution dans le secteur de l'éducation au Bénin. TIC scolaire est un projet qui permet aux parents de suivre leurs enfants à l'école, même étant à distance. Ils reçoivent par SMS, par exemple, sur leur téléphone, des informations précises sur l'emploi du temps, le planning des compositions, les notes, les moyennes, les absences ou encore les bulletins. Ce sont des applications que l'ONG Bradley Education and Health a mis à la disposition des écoles béninoises pour pallier les problèmes d'absence de compétences et d'excellence scolaire. L'application existe dans Play Store et dans Apple Store. Vous pouvez télécharger. Ça fonctionne exactement comme les réseaux sociaux, WhatsApp et tout ça. Donc, quelle que soit votre position, dans le monde entier, vous savez exactement si votre enfant est en retard au cours, vous savez exactement si votre enfant est absent au cours, vous savez exactement si votre enfant a été puni, les motifs de la punition, vous savez exactement si une interrogation a été faite, c'est quoi la note de votre enfant. Et pour les parents qui sont même encore ici, sur le plan national, comme je l'ai dit, MOVE a pu libérer un code USSD étoile 175 dièse pour les abonnés MOVE. Dès que vous allez dans ce menu, vous suivez le menu et puis vous aurez tout ce qu'il y a comme information sur votre enfant. Mais tenez-vous tranquille, dès que votre enfant souscrit au produit scolaire, il y a un code unique qui lui est accordé. C'est via ce code unique que vous, parents, vous pouvez avoir systématiquement les informations sur votre enfant. C'est pour la protection des données informatiques de votre enfant, en fait. Le concept est en cours depuis 3 ans au Bénin et ce forum débat a ressorti la nécessité d'encourager, mais de manière responsable, l'utilisation des TIC par les acteurs de l'éducation et d'en faire un pont entre les parents et l'école. Globalement, les relations entre l'école et la famille sont de qualité mauvaise, que ce soit dans les établissements publics ou dans les établissements privés. Les parents peuvent passer toute une année sans avoir la moindre information sur les problèmes disciplinaires de leurs enfants. Voir la couleur des feuilles de composition des 10 enfants. Savoir que les enfants sont sur le point de redoubler leur classe ou d'être renvoyés. Donc, cette rencontre de ce matin est à point nommé pour voir en quoi cette technologie peut être à l'origine de la transformation radicale de notre système éducatif, qui est également le vecteur de la transformation de la société. Donc nous sommes en chemin si nous obtenons les résultats qui serait issu de ces efforts que déploie l'ONG Bradley, si ces efforts portaient, il faudrait que nous nous disions que c'est une révolution qui est en place et en cours dans notre pays. Un point de vue que partagent tous les participants de ce forum débat organisé par l'ONG Bradley Education and Health, qui est chargé de soumettre au ministère de l'Enseignement secondaire un rapport général de la séance pour une meilleure vulgarisation du concept TIC scolaire au Bénin. Vous allez voir que les enfants auront comme... Et voilà qui vient mettre un thème à ce magazine d'information. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Eh bien, bon samedi à toutes et à tous. We'll be right back.